Qu'est-ce qu'un bon percussionniste? C'est sympa là. C'est un musicien compétent et expérimenté dans l'art de jouer des percussions. Il a la maîtrise technique. Il peut maîtriser la batterie, les congas, les bongos, les timbales, les tambours. Il est capable de jouer avec précision. Il a le sens du tempo et de la coordination. Après, tu vois, sur ça par exemple, ouais. Sur le passage, un peu comme picard, tu dis, lent, drama, ouais. Je peux te faire des trucs comme ça. Fais ton passage drama. Il a la musicalité car il ne se contente pas de frapper, mais il sait aussi comment s'adapter musicalement à différentes situations. Et là on reprend. Franchement, c'est quoi? Ça te plaît? Après il faut. Bah après ce qu'il y a c'est que c'est pareil, voilà, on monte... il faut pareil, on monte un répertoire. Ah bah oui. Il comprend les différences de texture sonore et le rôle rythmique des percussions. Il a de l'écoute et il est réactif. Il est attentif aux autres musiciens avec qui il joue. Il est capable d'écouter attentivement la musique en cours et de s'ajuster en conséquence. Un bon percussionniste est capable de s'adapter aussi à tous les styles de musique, que ce soit le jazz, le rock, la musique classique, la musique traditionnelle et d'autres genres. En fin de compte, c'est un musicien polyvalent, passionné par son art, qui peut ajouter une dimension rythmique et dynamique à n'importe quelle performance musicale. Mais tu vois, quand t'as les musiciens, c'est ça que j'adore, c'est que ça me donne beaucoup d'aération et tout, et c'est tellement beau d'aller faire un petit passage. Où... Ah ben, je te retourne le compliment, parce que moi, de toute façon, je m'adapte sur toi. Ouais. C'est pas moi qui vais chanter, donc du coup, non, tu vois, j'écoute ta voix. C'est comme ça, parce que ben là, oui. J'ai déjà vu, moi, je suis... Oui. Je vais accélérer, j'essaye hein. Attends, c'est la mort.
Oui, mais moi, il faut que je te donne, oui, tu vois, je t'accélère le tempo, ouais, progressivement, ouais, je te suis en fonction de... À mon ex, j'ai dit qu'il me reprochait d'être angoissée. Je dis en même temps, quand je suis avec des gens normaux, je suis pas angoissée. C'est ça. Quelqu'un de gentil, de normal. C'est ça. Ça aide. Ça aide si tu veux. Avoir des gens normaux autour de soi. Bah, qui sont capables de réciprocité et d'échange. Bah oui, ça existe. Parce que c'est vrai que moi, après, je donne beaucoup, mais faut me recevoir un peu, puis j'ai envie de recevoir c'est... un peu. Non, aussi. C'est pas un peu. Le principe, c'est de donner et recevoir. Oui, voilà. Comme dans un couple. C'est la même chose. Dans un c'est... couple sain. Pardon ? Dans un couple sain. Oui, dans un couple sain. C'est donner et recevoir de l'amour. C'est, c'est la base. Et alors, ce qui est rigolo avec Alain, c'est qu'en plus, on a une passion commune pour une série assez connue, Peaky Blinders. Et ce genre de phrase issue de la série comme... Tu ne peux pas faire mal à quelqu'un qui pense beaucoup parce qu'ils savent déjà ce qui va arriver. Tu leur montres juste qu'ils avaient raison. Ou par exemple, quand tu ne trouves aucune solution à un problème, c'est probablement pas un problème à résoudre, mais une vérité à accepter. Ou bien, et c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, donc avec tout le groupe... Jack, Jean-Pierre, Mila, reste vrai, reste loyal, ou alors, barre-toi quoi, reste loin de moi. Oublie ce que tu ressens et souviens-toi ce que tu mérites. Souviens-toi aussi de qui t'a ignoré pendant que tu avais besoin d'eux et qui t'a aidé avant même que tu demandes. Et c'est vrai que pour moi, les valeurs morales dans le groupe, c'était primordial. J'ai déjà eu pas mal de musiciens, pas mal de groupes différents. Ça fait un petit moment que donc je défends mon répertoire, mes différents répertoires et mes différents spectacles seuls. Et une des priorités dans la sélection de mes musiciens, bien évidemment, bon... Il faut qu'ils soient des musiciens, mais je veux dire, c'était les valeurs morales et les qualités humaines. Voilà. Donc, c'est la présentation de Alain, qui, du coup, joue des percussions comme il respire, et moi, ça me va très bien. Parce que, tu sais, tu peux... Y a... Une déclaration. Allez.
ma vallée, oh mon pays, tente et fiera, roya, tinea, vesubia, tente et fiera, comme a toujours, et résiste, et que si brava.